et obéis à tous ces ordres. Tu ne t'emmêles pas avec les pasteurs, j'accepte. Tu ne marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Pour arriver là. Quand son temps arrive, il m'a dit, tu sors maintenant. Le Seigneur m'a parlé de celui, le président de la transition, qui a pris le pouvoir au Gabon. Le Seigneur m'a parlé du Gabon. Le président qui est au pouvoir là-bas au Gabon. Le Seigneur m'a montré une stratégie. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve au pouvoir? Il a eu un entretien avec Macron. Suivez-moi bien. Depuis là, je me retenais, mais le Seigneur m'a dit de parler. Je dois parler où? Depuis, je viens, je l'ai vêtu, je dis que range-toi, range-toi. Je ne dis rien. Ça boue dans mon ventre, mais je cache. Range-toi, ça boue dans mon ventre, mais je cache. Avant qu'il y ait eu des coups d'État, j'ai vu un entretien entre celui qui est au pouvoir maintenant et Macron. Et j'ai vu une récompense, j'ai vu une mallette passer. Et quand la mallette est passée, l'accord était qu'une fois qu'il a renversé Ali Bongo, maintenant, il redonne l'accès à la France comme Omar Bongo avait fait. Parce que la France a réclamé tous les droits en disant que quand Omar Bongo était là, il préférait Omar Bongo parce qu'ils étaient là-bas sans problème. Mais depuis que Ali Bongo est venu à couper le pont. Et c'est pour ça qu'on veut le dégager. Voilà. Maintenant, quand lui, il a dit que ne t'inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, je vais gérer l'affaire. Non, je vais gérer. Faites ceci, les façons, on dit oui, tout ce que tu demandes, on t'accorde. Il a demandé, on l'a accordé. L'accord est là. Oui, j'ai vu un accord, la transition, j'ai vu un papier, c'est là, je vois devant moi un papier, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il monte, il renverse le pouvoir d'Ali Bongo, la joie du monde entier, de toute l'Afrique, la joie de toute l'Afrique, maintenant la joie des pauvres Gabonais. Maintenant, lui, se retrouve dos au mur. Il comprend que si les Français voyagent pour entrer là-bas, avec ce qu'ils se sont arrangés, on va le lapider. Je vous ai dit que le président Traoré, le jeune là, le Seigneur l'aime beaucoup. Son cœur est pur comme la neige. Il ne cherche même pas son intérêt. Je dis qu'il ne... Le gars là, il ne... Oh my God, je le connais où? Mais quand je le vois devant moi, transparent, c'est même à cause de la transparence là que celui qui est à côté de lui là veut le tuer. Parce qu'il y a des choses qu'on le propose, il refuse. Il y a des transactions qu'on lui proposait, il a refusé. Il ne veut même pas entendre le jeune Traoré là. Je dis... Maintenant là, celui du Gabon, quand maintenant il est monté au pouvoir, la joie de la foule, la joie du peuple le déborde. Maintenant il se retrouve dos au mur avec l'accord qu'il a fait. Il est en train de leur demander d'attendre d'abord. Parce que s'il tente maintenant, ça sera trop flagrant. Vu la guerre, vu la manière que le peuple est en train de soulever pour chasser les Français. Si maintenant les Français viennent encore, ici là maintenant, ça sera très chaud, donc ils attendent. Mais il y a des coups de fil en sous-marin. Il y a des coups de fil en sous-marin. J'ai vu à une certaine dimension, lui, il leur a dit que s'ils ne peuvent pas attendre, qu'ils prennent tout ce qu'ils ont proposé. Voilà. Voilà là où il est sur la pression. Il est sur une pression, vous ne pouvez pas imaginer. Il est sur une pression. Parce qu'ici là, ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Écoutez, je vous dis l'affaire là. Attendez. S'il refuse bien et qu'il dit non, il est tout le dos, vous allez voir les dossiers qui vont sortir. Oh, c'est que mon Dieu ne m'a pas appelé. Les dossiers seront sur la table.
J'ai dit que les dossiers seront sur la table. Là, là, en ce moment, ils serrent la ceinture. Ils savent que ils attendent à ce que lui, il les ouvre une porte. Parce que ce qu'ils attendent, c'est ce qui sort au Gabon, là. Et là, maintenant, il ne sait pas comment faire. La main n'est pas propre. Quand le Seigneur m'a monté ses mains étaient trempées, noires. Je n'ai pas vu les mains pures. J'ai vu des taches sur ses mains. Oui. Celui du Gabon. Voilà. Non, vous ne comprenez pas. Ce qui sort de sa bouche et ce qu'il voit, ce qu'il a à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Il veut essayer d'imiter le président Traoré, imiter le président malien. Mais là, la manière qu'il est venu au pouvoir, c'est ça qui le tue. C'est ça qui le tue. J'aimerais vous dire, lui aussi, il y a les endroits où il y a l'argent caché. Je vous dis, lui aussi, il a les endroits où il y a l'argent caché. Oui, si vous voulez, mon Dieu, si vous voulez, je vous mets un pari, mon Dieu dévoile ça. Je vous dis, lui aussi, il a l'argent caché. Maintenant là, il cache. Il cache. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que ce qu'il fait là, les pauvres Gabonais, c'est ça là. Lui aussi, il a l'argent caché. Lui aussi, il aime l'argent. Lui aussi, il aime ses intérêts. Ce n'est pas comme le président Traoré. Je ne vois pas ça. Je n'ai pas vu ça comme le président malien. Le président malien, il est tellement là. Lui, il aime, Dieu l'aime tellement que je le vois toujours avec un ange derrière lui. Depuis 2020, je le vois avec un ange derrière lui. 2020, il a un ange derrière lui. Depuis ce monsieur-là, il a toujours un ange. C'est pourquoi tout ce que vous tentez sur lui, le Seigneur déjoue. Tout ce que vous tentez, le Seigneur déjoue. Mais celui qui est au Gabon, là, c'est un pion. Je ne suis pas d'accord. Quand je le vois, mon cœur est troublé. Quand je le vois, mon cœur est troublé. Et il y a des prières que si j'ai fait, vous allez voir même tout de suite. Ça ne saura tarder. On va commencer à sortir ça. Depuis là, j'ai serré même beaucoup mon cœur. Je ne voulais pas parler. J'ai serré beaucoup mon cœur. Depuis le premier jour qu'on a dit coup d'État, je suis venu m'asseoir ici. Je vous avais dit que je voyais le coup d'État au Gabon. Je voyais le gouvernement gabonais dans les provinces. Avant, quand j'ai dit ça, ça n'a même pas fait une semaine. Le coup d'État est venu. Maintenant là, moi encore, je suis en train de vous dire que celui qui est là, là, celui qui est là, là, je vois que son ventre. Ben, c'est parce que c'est chaud partout qu'il est en train de voir si s'il attend des choses graves, là, ça ne va pas le coûter. Et maintenant, maintenant là, l'opposant c'est qui? L'opposant là. L'opposant est la pine sur ses pieds. L'opposant là, il est la pine sur ses pieds parce que l'opposant là, il dit beaucoup de choses, mais les Gabonais ne sont pas en train de comprendre. Par contre, l'opposant là, non, il était un président qui devait aider les Camerounais, les Gabonais. Oui, il était un président qui devait aider les Gabonais. Les Gabonais devaient respirer. Il ne devait pas mettre dans sa poche comme ils sont en train de... Comme celui-ci. J'ai dit, celui-ci là, Dieu n'est pas derrière. J'ai même pas vu la main de Dieu. Assimi Koïta, voilà. Lui là, c'est mon pote. C'est ce que Dieu aime, j'aime. Voilà. Chaque fois que je vois toujours un ange derrière lui. Chaque fois que je le vois, je vois toujours un ange derrière lui. J'avais fait une vidéo contre les Maliens. J'avais dit pour les Maliens. J'avais envoyé une vidéo 2020 ou 2021. Que les gens ne se dérangent pas. Ils ne pourront rien sur ce monsieur. Je vois un ange derrière lui. Il a tout, son épée. L'ange est derrière lui. Grande taille comme ça avec une épée. Toujours. Assimi Koïta. Voilà.
Vous savez, je ne suis pas le journaliste, je ne connais même pas. Ça compte même de la prophétie que moi, voilà, dans la présidence, je parle même d'un président. Ça, là, je ne calculais même jamais. Et je vois même la télé. Mais à cause de ce que Dieu met les choses dans ma bouche, il faut que je parle, parle, parle. Mais voilà que je me retrouve en train de citer les prédits. Je connais tout ça là. Eh, Jésus, aide-moi. Ah, je connaissais le président de mon pays, c'est tout. Vous savez, j'étais en train de vous détailler ce qui va se passer au Gabon. Mais Dieu, jusqu'ici, le guette encore. Si je fais, il y a des prières que si je sors de ma bouche, il va avoir les problèmes. Mais moi, ce n'est pas mon souhait. C'est qu'il faut qu'il coopère avec le peuple. S'il ne coopère pas, j'attends encore. Si Dieu me dit déclare, il va déclarer. Vous allez voir. Dès qu'il va déclarer, les problèmes vont commencer. Je vais déclarer. S'il dit déclare là, il va déclarer. Les problèmes, on va. Partout où il a mis quelque chose là, on va, ça va se savoir, ça va sortir. La trahison va comme. Son gouvernement là, va commencer à dandiner. Voilà. Regardez ce qui se passe au Gabon. Votre celui qui a fait le coup d'État, qui s'appelle Obiangueme là, ce qu'il fait là n'est pas normal. La femme du président Ali Bongo, il n'a pas le droit de lui mettre en prison. Lui aussi, il n'est pas vrai. Vous allez me donner raison. Pour l'instant, là, moi seul, je vois. Personne ne voit ce que je suis en train de voir. C'est des comptes à régler. Lui, c'est comme si... C'est un compte à régler. Parce que dans sa tête, il dit que c'est lui qui a induit Ali Bongo en erreur comme ça. Que c'est elle. Mais ce qu'il fait n'est pas normal. On devait protéger cette femme-là. Ils ont pris le pouvoir et s'occupaient du reste. Si vous avez l'argent à prendre, vous prenez l'argent, vous dévalisez l'argent que vous avez pris, vous remettez dans les caisses d'État. Mais là où il a commencé là, il ne va pas arriver. Quand tu viens pour la paix, tu apportes la paix. Quand tu viens pour la paix, il apporte la paix. Regardez bien deux choses. Assimi Goïta, le président malien, il a mis qui en prison. Président Traoré, il a mis qui en prison. Oui, mais je veux intercéder, j'intercède pour le Gabon. Mais que Dieu ouvre les yeux des Gabonais pour voir. Que ce qui est caché soit dévoilé. Je déclare que Dieu ouvre les yeux des Gabonais qui voient. Mais que ce qui est caché soit dévoilé. Je sens tout ce qui est caché, je positionne en tête. Voilà la prière que je peux faire pour les Gabonais. Je sens tout ce qui est caché, je positionne en tête. Que les gens voient et que le monde entier découvre ce qui est derrière Olingemala.